que je déteste être mise à l'écart. Je sais pas. Et vous savez aussi que j'adore les fondants du chaudron. Réveillon. Leviosa. Revelio. Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Cet endroit. Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chic? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Superbe! Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises. Excellent travail! Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Est-ce bien? Par Merlin? Ma vieille sacoche! Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chic ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Oh, bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer.
Revelio. Revelio. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Attention! Arrêtez cette personne! Revelio! Mais non, pas... Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille! Revelio. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Revelio. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Revelio. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Revelio. Thank you.
attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chic a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potion. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Cela me sera plus utile quand j'aurai quelque chose à identifier. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Revelio. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation ? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions.
Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Revelio. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions après au lard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Vous pouvez m'en dire davantage sur Chick? Il est à Poudlard depuis plus longtemps que moi. Et semble en connaître tous les recoins et mystères. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Chick bénéficie de beaucoup d'expériences, acquises à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick vous en dire plus quand il se sentira prêt, mais encore une fois, vous devriez suivre ses conseils. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandée, professeur. Bien. La leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Thank you.
J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur ? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Essayez d'utiliser le sortilège d'altération en visant le sol ou ce balcon. Bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas ? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer. Revelio. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? Je voudrais que la salle donne l'impression d'être éclairée par la lune. Ça semble parfait. Cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé ? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage.
Revelio. Revelio. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Cet endroit. Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au baf-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adore. Revelio. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Revelio. Je crois avoir vu Hominis en cours de potion. Ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits ?
Vraiment. Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ça me semble dangereux comme sort. On croirait entendre Minis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio, par exemple. Confringo! Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà! Je crois que j'ai compris. Bravo! Je dois avouer que c'était amusant. La première fois que Minis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Hollard. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Ils pensent que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts? Quand est-ce que tu y es allé? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un port au loin. Un port au loin? Vers Gringotts? Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Revelio! Salut, Sébastien. Attends... Toi, là. Je t'entends. Oh, bonjour. Ominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potion. Et de botanique? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer?
Cette salle s'appelle la crypte? Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas! Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Hominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul, il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Préolard, me voilà. Revelio. Action! Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. Revelio. Bonjour, Monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions, mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirais avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Thank you.
par le plus difficile et de laisser le plus facile se régler. Ah, j'allais aider un peu au grand ballon. Revelio. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolar. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Revelio. Madame La Wang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions ? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise ? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discret. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple ? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Je préférerais que vous ne fassiez pas cela ici. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Vous avez dit que de plus en plus de clients essayaient de se faire discret. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais j'imagine que mes clients Serpent Cendre doivent avoir leurs raisons. Et surtout, ne vous avisez pas de répéter ça à qui que ce soit. Très bien. J'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? C'est parfait. Merci. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir.
Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Revelio. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. J'ai apporté les potions d'invisibilité à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennui? Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide. Vraiment, c'est une bonne chose de faite. Livrer ces potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Très bien, je vous paierai plus, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Bonne chance avec vos potions, Monsieur Pipin. Prenez soin de vous.